c'est important d'être là. Pour les 30 ans, pour moi, c'est important, mais à plusieurs sens. Alors, premièrement, en tant que licencié, parce que j'ai connu, je dirais, la galère, les joies, les espoirs, les désespoirs d'une vie associative. Et je trouve que juste ça, célébrer les 30 ans d'une union commune, de créer cette association, de faire ensemble quelque chose, arriver à quelque chose, ça déjà, personnellement, ça me touche, moi, en tant que licencié. En tant que président de fédération, la fédération n'existe pas s'il n'y a pas les clubs. Et les clubs, on en a besoin, et on a besoin de clubs solides comme les Patriotes, qui sont aussi dans la longueur, parce que la longueur nous permet aussi de servir d'exemple à tous ces petits clubs qui essayent, je mets des guillemets à petits clubs, tous ces clubs qui essayent de se monter, et puis qui quelquefois aussi galèrent. Et je trouve que c'est un véritable exemple pour les clubs qui se montent, de se dire, bah voilà, il suffit juste d'être tenace, d'y croire, et la durée suit, et elle sera au service de l'ensemble des licenciés. Le Baseball 5, c'est un jeu ludique, c'est un jeu fun qui se joue 5 contre 5. On n'a pas besoin de gants, on n'a pas besoin de battes. Alors du coup, les puristes du baseball et du softball diront ah, on joue sans battes, sans gants, c'est un peu compliqué. Mais rapidement, on y arrive. Donc l'idée, c'est de rendre accessible ce sport à tous. Et le fait de jouer au Baseball 5 dans la rue, dans la forme en marchant ou en courant, c'est très bien. Ça développe des habiletés. Ça développe des habiletés qui se retrouvent après au haut niveau. Donc pour moi, il y a un intérêt, parce que là, on touche beaucoup plus de personnes et on peut recruter aussi beaucoup plus de personnes et mettre la main sur des talents qui, dans les écoles, dans le périscolaire, qu'on ne voit pas, qui viennent au baseball ou softball dans les clubs, par réseau et souvent pas par... Et donc c'est vrai que c'est pouvoir les repérer. So